Vous entendez? Ah. Non. Je pense que j'ai déjà sillonné pas mal d'églises. Donc, je ne suis pas baptisé. Donc, j'ai une question quand même. C'était pour savoir, moi, toujours dit que Dieu nous connaît même avant notre naissance, il connaît notre chemin. Donc, avant qu'on naisse, il connaît toute notre parcours, il va savoir tout ce qu'on va faire. Mais si Dieu connaît tout ce cheminement de nous, donc, et il n'y a personne sur terre qui est en fait. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est ainsi? Je n'ai pas compris. Enfin, je crois comprendre, mais je vais prendre ton temps pour. Donc, si Dieu connaît toutes choses. Si, avant qu'on naisse, il nous connaît déjà. Il bien connaît sûr. Qu'on va guérir, il connaît si on va travailler, quel métier on va faire. Tout. Vous nous connaissez déjà avant. Mm-hmm. Et il y a personne sur terre qui est parfait. Mm-hmm. Et non. J'aimerais savoir si c'est ainsi déjà. Mais pourquoi il a voulu toutes ces choses? Pourquoi il a voulu que. Pourquoi il a voulu nous mettre sur terre? Ok, d'accord. Toi, ça te fatigue tout ça? Oui, ça me fatigue. Il vaut mieux, moi je dis que si c'est ça, bon, j'ai rien à faire sur terre. Ok. Pas de... D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles? Tu travailles? Mm-hmm. D'accord. Tu as une femme? Non. Ok. Est-ce que tu as été blessé par une femme? Bon. Déçu. Un peu. Ouais. Tu l'aimais beaucoup. Comment? Tu l'aimais beaucoup. Oui. Ok. Mais ça c'est de l'histoire passée. De ok, non. Il y a pas de soucis, on discute, c'est pas de problème. Ok, mais je vais te répondre. Ok. Et pourquoi Dieu qui sait toutes choses, qui est omniscient, qui savait qu'il allait créer un ange qu'il nommerait plus tard chérubin, et qu'il deviendrait cet ange, deviendrait Satan. Alors pourquoi on a quand même créé tout ça? Donc en fait, la première réponse c'est Dieu est souverain. Et c'est pour cela qu'il est Dieu. C'est-à-dire Dieu qui est souverain fait ce qu'il veut. Regarde, prends la Bible dans Psaume chapitre 115, le verset 3. C'est vrai que c'est paradoxal, c'est parfois ça paraît parfois bizarre. Je me dis mais pourquoi alors? Et je me suis posé aussi cette question là plusieurs fois. Psaume 115, le verset 3 nous dit: notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. C'est ça en fait. Donc ça c'est la première réponse. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Tu vois? Et peut-être tu as un message à nous faire passer précisément que pourquoi pas nous donner le message directement. Justement, j'en arrive. Donc d'abord, la première question c'est qu'il fait ce qu'il veut. La première réponse. La deuxième réponse c'est que Dieu est tellement puissant. Il est tellement puissant qu'on ne peut même pas, si on peut ni le quantifier, ni le définir. Et même quand il se révèle à nous comme étant l'Éternel, Yahweh, ça c'est juste pour que nous comprenions à peu près qui il est, parce que nous n'avons pas la notion de l'éternité, parce que l'Éternel c'est l'éternité. Donc, il est plus qu'éternel. Donc il est tellement puissant qu'en nous créant, il n'a pas voulu, n'est-ce pas, créer des automates, des robots, des gens qui obéiraient bêtement. Il nous a dotés de la volonté. Cette capacité que nous avons de lui dire aussi non, au point où il accepte. Tu vois cette chose? Et c'est ça, son amour. Donc, son amour, il est tellement puissant, et son amour est tellement profond, qu'en nous créant, il nous a doté de cette puissance-là, la volonté. Tu vois? De pouvoir choisir. Et il vient, ensuite il dit, voilà, je te mets devant cet arbre-là, ces deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Alors, choisis la vie.
Et c'est ça, son amour. Et comme ce soir, il savait que tu allais venir, que tu allais poser cette question-là. Et maintenant, tu as le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Tu vois? Et pourquoi ne parle-t-il pas clairement? Il le fait. Il le fait tous les jours. Mais nous sommes tellement bornés. Parce qu'on a reçu cette autorité-là, donc la volonté, cette prérogative. Hein. Donc du coup, on s'en sert contre Dieu. Tous les jours. Voilà. Il nous parle. On reçoit des songes, on a des visions. Quand on dort, il y a des choses qui nous interpellent. Il y a des pensées qui nous viennent. On parle aussi par les pensées. Mais on dit non, c'est pas logement, je m'en fiche, tout ça. Il y a beaucoup de personnes que moi je connais à qui Dieu a. Des chrétiens, Dieu les a pris, les a appelés au ciel, à l'enfer. Ils sont revenus de l'enfer, ils ont vu l'enfer, mais ils ont continué quand même à pécher. Tu vois? Donc, et à cause de cela, Dieu pleure, Dieu est blessé souvent. Comme Genèse 6 le dit. Donc, c'est une question de volonté. Voilà, t'as tout compris. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce soir, si tu veux, tu peux recevoir ton baptême. Voilà, là c'est ta volonté. Voilà.